Allez, bande d'abrutis de cadavres chancelants. Vous avez tous rendez-vous à la morgue. De manière permanente, cette fois. Peut-être que suivre les conseils de voix mystérieuses dans une caverne n'était pas une si bonne idée, après tout. La dernière fois qu'on a fait ça, on n'avait pas de public. Oh, bon sang. Ce sera comme de tenter de faire pipi alors que quelqu'un regarde. On doit explorer chaque recoin de cet endroit. Je veux pas passer une minute de plus que nécessaire dans cette arène infestée de vomi. La foule n'a pas été aussi mortifiée que ces pauvres âmes lors de notre dernier voyage. Il doit y avoir une raison au pourquoi du comment. Les spectateurs se délectent de notre détresse. Nous ne sommes qu'un divertissement à leurs yeux. Ils veulent qu'on se batte jusqu'à la mort. Là seulement, ils nous acclameront. Vous là, les bâtards dans les gradins! Vous trouvez ça marrant? Cabot. Pourquoi vous ne descendez pas pour voir, hein? Et couvrir vos mains de sang et de merde! Si on peut résoudre toutes leurs énigmes et vaincre leurs guerriers, alors la porte s'ouvrira. Putain, pourquoi est-ce qu'il avait raison? Pourquoi est-ce qu'il disait la vérité? J'aurais presque voulu que l'oracle nous donne une meilleure idée de ce qui nous attend. Mais... J'aime bien quand une femme reste mystérieuse. Nous vaincrons leur horde. Puis je trouverai l'homme au masque. C'est lui le responsable. Il n'échappera pas à son châtiment. Personne d'autre ne va commenter à quel point on est ridicule. Franchement, j'ai l'impression d'être un genre de barbare celte. Mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes? Tu n'as plus de bras! Point doublé. Si la foule veut du sang, donnons-lui du sang. Peu arrive assez près pour me frapper. Bravo. Si je m'arrête ici, est-ce qu'on est vraiment ici? J'ai pas hâte de le savoir. Est aussi pourri que celui du bateau. Point bonus. Par ici, nous autres intellectuels devons nous serrer les coudes. Merci pour ton aide, Shaw. Allons tuer des ghouls maintenant. On dirait que le pharaon essaie d'acheter son billet pour les cieux. Ça me rappelle quelqu'un. C'est l'artefact qu'avait le prêtre. C'est pas la première fois que j'en vois un comme ça. Je vais le diviser en deux et lui faire bouffer. Et puisse-t-il le faire ressortir par tous les trous? Comment je pourrais manquer de munitions dans une réalité que j'ai moi-même créée? J'en exige d'autres! Mort instantanée. Mon arme est presque aussi vide que la cervelle de Diego. Je sais que je suis sous l'influence de puissantes drogues exotiques, mais... Cet événement a l'air trop réel, un peu trop spectaculaire, comme si c'était mon anniversaire. Charpentier. Le marteau du Valhalla est prêt au combat. Une bonne défense commence par le contrôle des lignes d'assaut.
munitions au max. Ce sang, cette décapitation, ces démembrements, ça doit réveiller pas mal de souvenirs, Bruno. La violence de mon passé est restée là où est sa place, dans le passé. Ceci est un combat pour la survie. Cette créature nous apporte l'enfer. Mais alors, ce truc est aussi énergique qu'un boulet de canon. Point bonus. Merde! Leurs griffes sont acérées! Regardez cet endroit. J'ai déjà vu ces gravures, ces symboles sur les piliers. Dans le journal de papa ? Oui, oui, vanne-moi sur mon âge, c'est très drôle. L'histoire est effectivement l'une de mes spécialités. C'est une arène de gladiateurs. Mais je ne suis pas certain de savoir où elle vient. Je devrais pas essayer de trouver un sens à tout ça. Sinon je vais finir aussi dingue que chaud. Poignarde, éviscère, et on n'en parle plus. Quelqu'un d'autre ? Que Diego ! Désolé, j'ai été imprudent. Créature stupide. Elle réalisait pas ce qu'elle faisait. Mort instantanée. Va disparaître. Ça fait beaucoup d'or. Je suis sûr que personne s'en rendra compte.
en manque un peu. Non, rien. C'est à croire que j'ai déjà... Que les misérables soient détachés! De la jungle de la même façon. Les munitions vont manquer encore. Je suis sûr qu'il y a un défaut de conception dans ces armes. T'es mort. C'est n'importe quoi. Tu m'entends? C'est pas fini. Tu te sens mieux, hein? Un prétendant défie le champion de Ra. Attention les amis, la vengeance fonce droit sur nous. Ils portent un beau casque en métal. Encore un trophion. J'ai l'impression qu'ils envoient tout ce qu'ils ont. Et pourtant, je suis végétarienne. Putain, ça peut pas finir maintenant. C'est pas comme ça. Je te signale que j'ai toujours mal. Inquiétude, mon ami. J'ai utilisé une seringue propre, je crois. Cette seringue, elle était propre, pas vrai? Tu ne feras plus jamais de mal à personne. Et j'aimerais pouvoir en dire autant. Mais oui, c'est ça! Agresser le cul qui a la santé fragile dans ta terre! Oh, ma vipère! Comme nous allons nous amuser, toi et moi! Oh!